Re-salut tout le monde, je suis encore avec le troll à l'abri. Part 2! Ouais, on fait la deuxième partie de la vidéo de pick-up qu'on a faite relativement récemment. Là, on va tout montrer le stuff. J'ai failli faire le troll là-dedans. Deuxième partie! On va vous montrer plus le stock plus classique qu'on a pu ramasser dans les derniers temps. J'étais beaucoup de Sega. Moi, j'en ai quand même un peu. On est peut-être mieux allé à quelque chose du Nintendo, on en a moins, tous les deux. Ok. Fait que, ou du PlayStation, on a vraiment pas grand-chose. Bon, on va y aller avec le PlayStation. Ça va être quick. La vraie réaction à me trouver à Resident Evil 3. Puis là, ben, c'était compliqué parce qu'il comprenait pas pourquoi je disais qu'il n'y avait pas deux CD. Puis j'ai eu aussi, genre, les deux trucs interactifs, numéro 7 et 9. Je trouve ça cool de ramasser des petits trucs de même pour le PlayStation, surtout quand ils sont donnés. Ou presque. Ou presque. Pour ma part, j'ai trouvé aujourd'hui un Airguys, God Bless the Ring. C'est un petit jeu de combat qui a l'air moyen avec Cloud dessus. Il n'était pas trop cher, mais j'ai pu mettre en plus une carte micro-play, c'est des gros avantages. Fait que c'est ça. On va essayer ça. Sinon, dans une autre ordre d'idée, j'ai trouvé un Advanced Dungeon Dragon Pool of Radiance sur le PC. Le Gold Box. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment. J'essaie d'en faire le set. Là. Il y en a quoi, 12 en tout? 12 ou 13, il faudrait que je regarde. Ils sont durs à trouver. En plus, ça chute mal et tout. Puis je ne veux pas payer le gros prix pour ça parce qu'il y en a qui valent quand même relativement cher. Puis je trouve ça le fun parce que je peux voir des trucs de dungeon. Il y a plein de petits trucs qui sont assez cool. Là. On voit des floppy disks là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Là. Je pense que j'ai encore l'ordi chez mon père pour les lire. Là, j'essaye le 286 puis j'ai les plugs dedans. Là. Ouais, il fait qu'il se démagnétise. Fait que... Ouais, avec le temps là, mais. Puis tu sais, c'est ça, il y a toujours du goodies comme. Des goodies. Comme tu sais, un adventure book puis un manuel quand même assez cool là. Fait qu'il y avait toujours beaucoup de stock dans ces boîtes là, fait que c'est toujours le bain fun de regarder ça. On va tomber dans du NL, même. Ouais, vite, vite. J'ai ramassé une boîte pour Donkey Kong Land 2. Elle était vraiment pas chère, puis elle venait avec le manuel. Éventuellement, je vais ramasser le jeu, qui vaut comme 10$, mais que je vais pas payer plus que 5. J'ai ramassé Legend of the River King au Game Boy Advance. Game Boy Classic. Prochaine fois qu'on en voit un, c'est moi qui le pogne, c'est dans ma liste. Puis j'ai ramassé Super Mario Land 3 Wario Land. Aux 5$, fait que ça aussi j'étais prêt à payer. Et aussi j'ai trouvé chez nous par accident Wario Land 3 que je cherchais. Puis ben, ça compte comme un find. Tu comptes ça comme un find parce que t'es trop mauvais? Ben moi je savais pas que j'avais. C'est pas comme si j'avais perdu de ma collection. C'est-à-dire que je l'ai pick up accidentellement quand, à un certain moment. Puis... Ok. Alright, moi j'ai juste une chose, c'est une boîte de Wario Land 2 avec le manuel à l'intérieur. Donc, que j'ai acheté en même temps que j'ai acheté le Resident Evil pour lui, puis d'autres petits cossins. D'un membre du CGV, encore. C'est tout pour mon AMR. Montrer du Super NES. Juste du NES, là, mais. J'allais dire. Du Super. J'ai ramassé un petit Blaster Master, vraiment pas très cher. Blaster Master. C'est un platformer qui est très cool. Et j'ai pillé un peu la copie de Spicy à GF. Yeah, c'est son doublon. Ça a l'air à bouger, ça. Ça bouge quand je fais ça. Ouais, super. Pas super. Ça arrive des fois. Ben, quand tu bouges, la copie bouge. Ouais, on fait un petit bruit, c'est pour ça. De mon côté, Blaster Master encore. Puis, j'ai un Faxanadu. C'est tout du même dude qu'on a un peu à Bully. Bon, il a forcé à faire un meilleur deal que vous. Qui voulait vraiment. Mais c'est un pawn shop, fait que je m'en fous un peu. Là. C'est des gens qui arnaquent les gens pour vivre, là. C'est un peu ça. J'ai un Rolling Thunder de Tangent ou Tengen. Tangent, c'est plus drôle. C'est un jeu que je jouais quand j'étais jeune, c'est pas particulièrement bon, mais c'est un des jeux de NES que j'avais quand j'étais jeune, fait que c'est pour ça que je voulais. Sinon, j'ai eu une boîte vraiment toute pétée de Kid Icarus avec le manuel qui se tient encore, mais qui n'est pas dans le meilleur état. Mais bon, je ne suis pas si piqué que ça, puis il était particulièrement pas cher. C'est quoi, c'est genre 5$? 5$ pour une boîte manuelle d'un jeu de NES.
Ça fait que c'est quand même plus beau dans ma collection. Fait que j'étais très content. Moi, j'ai juste commencé un seul jeu de Super NES. Encore une fois, je l'ai pillé à Chief. C'est un doublon. J'ai commencé Contra 3. C'est quand même un excellent jeu. Yep. Fait que pour avoir tous les contrats qui sont sortis, il me manque juste deux. Il manque Contra Force, que je veux pas vraiment parce qu'il est pas bon. Puis il manque. Il manque. Contra 3. On essaie de trouver un truc pour changer le bac. Là. Puis il a l'air à bouger un peu dedans. Là. Sinon, sur du NES de mon côté, Super NES, mais moi je vais aller dans le Super Famicom parce que Mélissa était comme. CCGVK était un peu déçue de. Elle voulait faire de l'espace chez eux. Fait que j'ai acheté quelque chose, puis elle m'a dit prends quoi, n'importe quoi sur ma table, là, fais-moi de l'espace. Fait que j'ai pogné un Winning Post, un jeu de cheval, un Super Famicom en japonais. Ça va être malade jouer à ça. J'espère que ça joue pas à deux comme ça, je serai pas obligé de subir. Ça va être là. C'est toi qui vas le tester. C'est décidé. Sinon, j'ai trouvé un Aero the Acrobat. Aero the Acrobat. C'est mauvais comme jeu. Il est sans fédé, parce qu'on voit très bien la différence à l'arrière. Mais il était particulièrement pas cher. Ça a l'air un platformer correct. Puis j'ai juste. Oh, je me suis pas une note. Si je l'aime pas, ben, je vais changer. Il était particulièrement pas cher aussi. Ouais. Il faut spécifier qu'il était particulièrement pas cher. Puis tu sais, c'est un jeu en boîte de Super Nintendo. Là, fait que c'est pas comme si ça court les rues. Là. Puis l'affaire, c'est que le monde, ils veulent des boîtes parfaites. Fait que dès qu'elle est pas parfaite, tu peux vraiment avoir un bon prix. Quand même, on voit une boîte. Moi, ça me plaît. Puis j'ai aussi la version. Jeff a trouvé un Killer Instinct. On va dire ça comme ça. Puis, fait que lui, il voulait le CD parce qu'il avait déjà le jeu. Puis la bouclette, qui savait pas qu'il avait pas. Fait que j'y ai pris le reste de sa copie. Fait que dans le fond, j'ai un Killer Instinct, pas de bouclette, mais au moins le jeu dedans, avec la boîte. 5$. Pour 5$. Fait que c'était pas très cher. Là, j'ai torché sa boîte, fait qu'elle est pas mal plus belle. Comparativement à ce qu'elle ressemblait. J'ai peut-être qu'on a pas fait une photo en avant et après. Parce que c'est la différence de bien torcher sa boîte, ça fait même, là, ça fait vraiment une grosse différence en qualité après ça de présentation. Ah, puis je peux montrer avec le guide de Final Fantasy VI. En japonais. Du Super Famicom. Du Super Famicom, ouais. Ben, évidemment. Donc, c'est quand même cool, hein. Un petit truc. Fait que ça, c'est Final Fantasy, fait que moi, j'aime bien ça. Là, juste au Pokémon Snap, on a fini le. Ah, ben oui, je l'ai oublié. Pokémon Snap, un autre truc qu'elle m'a. Ben, pas donné, là, mais que qu'elle m'a réservé à Mélissa pour 1,25$. Donc, je vais capturer des Pokémon avec ma photo. 1,25$? Ouais. C'est comme un excellent prix. C'est un excellent prix. Très gentil de ta part. Bon, t'es tombé dans du Sega. Yes! Ça faisait un bout que j'en avais pas eu. Fait que j'ai fait beaucoup d'échanges avec du monde, avec Brian, je pense, de CGVQ, puis avec Julien de Sauve dans la cassette. J'ai eu beaucoup des titres là-dedans grâce à eux, puis d'autres que j'ai trouvé par ailleurs. Fait que j'ai eu. T'as trouvé par ailleurs? Wow! The Ninja. Et je vais pour le full set, fait que c'est sûr que c'est pas tout le temps des bons jeux. Comme Parlor Games. Ça, j'espère avoir une copie un jour. Je vais t'en trouver. Quartet. Superman, c'est vraiment laid, mais c'est un platformer. Rescue Mission. Teddy Boy. Avec la carte loose parce qu'il n'y avait pas le protecteur. Est-ce que Teddy Boy, ça compte pour un jeu de bear? C'est comme Teddy Bear. Non, parce que c'est le nom du petit gars, il n'y a pas d'autre spantot. World Grand Prix. Zillion 2. Puis, celui que j'ai payé pas mal plus cher, que j'avais pas la boîte, mais il y avait le booklet et j'ai payé moins cher qu'une copie lousse, c'était Golden Axe Warrior. Ouais, qui est quand même coûté cher, mais bon, c'est quand même un bon prix. Ouais, considérant, ben, cher, oui. Moins cher que la cartouche lousse, oui. Fait que c'est un bon deal. C'est un bon deal. Et ça, c'était pénible. Là. C'est une grosse expérience pénible. On était à Québec. Puis c'est l'expert du jeu. Je suis de même. C'est une boutique spécialisée où le gars, il fait juste checker les prix les plus hauts sur eBay. Là. Fait que genre. On il veut pas vendre ses choses parce que c'est la dernière fois. Ouais. Copie qu'il y a. Fait que genre. C'était pénible. Mais j'ai fini par réussir à avoir. J'ai eu deux manettes de Master
et un power supply d'origine de Master qu'il a testé qui fonctionnait à place de le mettre dans la console qui était à côté. Il a plugué dans le mur puis l'a mis dans sa bouche. Fait que story, c'est ça le pire. Fait que moi j'étais comme ah, what the fuck. Fait que, on va espérer qu'il marche. Il a dit que ça marchait à le mettre dans sa bouche. Fait que calice. Tu sais, ça c'est comme une bonne joke, mais genre, c'est tellement stupide pis c'est vrai, fait que j'ai un peu découragé. Ouais, il était un peu particulier, ouais. C'était bon. Ouais, fait que ça c'était pour finir, j'avais eu une deuxième console en boîte, mais il n'y avait pas de manette pis il n'y avait pas de power supply, fait que c'est juste pour compléter ma copie en boîte. Ouais, le gars était quand même assez déplaisant, là. En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup discuté avec lui, puis il essaie de me vendre des manettes de Sega Saturn à 30 ou 40 pièces chaque, je suis comme, non. Là. Plus taxes, pis ils sont usagés, pis ça... Son loose, puis là, je suis ah, la soirée. C'est comme à ça, justement, un jeu. Oups, j'avais un jeu. Penguin Land. C'est pas une version complète, parce qu'il faut que je donne mon booklet à Yef parce qu'il l'a pas. Ah oui? Maintenant, il y a sa version oh, complète. Oh shit! C'est pas mal awesome. C'est lui qui fait le full set, donc je veux juste jouer au jeu. Pour moi, c'est mon gage. Puis s'il en trouve un mono dans un lot, peu importe, ben, je sais qu'il va me le redonner. Donc ça, c'est moins grave. Fait que j'ai vraiment pas payé cher en plus. Moins cher que ta version qui avait pas de booklet. Fait que c'est quand même cool. Fait que maintenant, au moins, t'as une version complète. Fait que tu t'en moins coupable d'avoir payé. Je pense que t'avais payé 15 heures pour. Ouais. À donner, il faut donner un peu d'argent pour avoir c'est des jeux. Mais les chances que t'en retrouves un complet qui est en temps, il faut une belle étoile. Ben, c'est quoi la demande? C'est Good Genesis. Ces cartouches-là sont vraiment dégueux, mais je les ai payés vraiment pas cher. J'ai eu Battle Toads Double Dragon. Le haut, tout le sticker, il est déchiré, dégueulasse. Mais, il était 5$, fait que dans mon livre à moi, c'est correct. Je vais jouer avec jusqu'à ce que je trouve une meilleure copie, puis après, je vais sur leur trader ou m'en débarrasser. Zombies Ate My Neighbors, encore une copie pas mal dégueu. Encore là, ça a coûté 5$, fait que je suis pas fâché. J'ai eu un Taz Escape from Mars dans sa boîte en carton, c'est le Mega Hit Series, c'est-à-dire que c'est celui qui venait pas avec une boîte, ben celui qui venait dans une boîte en carton placé en plastique, pas de bouclette par contre, pour là il était 5$. Zool, c'est le Ninja of the Nint Dimension. Ça ressemble un peu à Sonic, sauf qu'il fait juste comme glisser et aller vite à la place de tourner. Ça a l'air d'un platformer, je vais l'essayer si je trouve pas. M'en débarrasserai. Et ça, c'est les trois titres que j'ai eu pour moi, pour ma collection personnellement, que c'est sûr que je garde. Il y en a deux que j'ai eu de justement Julien de Sous dans la cassette. Il m'a fait un excellent deal en plus dessus, en plus qu'on a tradé. Fait. J'ai eu Landstalker, Wonder Boy and Monster World, puis lui, ben, j'ai trouvé avec GF, c'est Toe Jam and Earl. L'avantage de trader, c'est quand tu achètes des jeux moins chers, c'est sûr c'est que ça te fait moins mal de trader pour la valeur que ça vaut parce que tu sais que tu es gagnant. En fait, les deux sont gagnants. Lui, il est super content parce que dans sa boutique, il va être capable de vendre le stock que tu as tradé probablement plus cher. Ouais. Puis ben, ça se vend mieux peut-être que ces jeux-là. Lui, il avait plus de difficultés à les vendre. Il fait que c'est gagnant-gagnant. Là. Tu voulais-tu montrer. Je vais montrer mon stock avant que tu aies fini sur ton truc. Je vais essayer de sortir. J'ai eu une loupe pour mon Game Gear parce que moi, j'avais pas le bac. C'était les doutes de Nostalgie. Le gars me l'a vendu à 1$. Fait que j'étais pas fâché de payer ça pour. Et j'ai ramassé un des titres que je voulais. C'est un des exclusivités sur justement sur le Game Gear. C'est Defender of Oasis. Ça va avec Beyond Oasis qui est sur Genesis et dans le même badge de série. Hein. J'étais pas mal content. Parce qu'il en reste pas mal de moi des jeux de. Game Gear que tu veux. M'en manque 6. Ah, c'est ça. Ouais. De mon côté, du Sega Saturn, tout premièrement, je n'étais pas parti pour acheter vraiment ça à Réunion, parce que c'est tout, vous avez tout été trouvé à Réunion, du CCGVQ. Puis ben, j'ai trouvé des bons deals quand même. Un que je suis un peu déçu, puis c'est le premier que je vais vous montrer, c'est le Mortal Kombat. J'étais vraiment fatigué, il faisait chaud. Puis là, je le regarde, puis c'est évident, là, il manque le booklet, c'est juste la front page. Puis le CD n'est pas particulièrement beau parce qu'il y a des collants dessus. Puis les collants de Sega Saturn, moi, par expérience, je les enlève plus, je les laisse là parce que c'est du trouble. C'est moindrement la peinture d'école, le vernis dessus, ton CD ne marche plus. Puis ils sont vraiment susceptibles à ça. Puis je vais le laisser là tout simplement.
Le prix que j'ai payé, ça reste que c'est comme le prix d'une copie loose. Fait que c'est quand même bien, j'ai le booklet puis j'ai le bac, là. Mais c'était pas mal moins bon deal que je pensais dans ma vie. Mais c'est correct. J'ai Wing Arms, un petit jeu d'avion. On va l'essayer à un moment donné. J'ai... Faut dire aussi que les caisses sont pas pétées, ça c'est un gros plus, là. Le World Series Baseball 2. Jeu de baseball. Je pense que c'est très bon. Iron Man, Nexo, Manowar in Heavy Metal. C'est vraiment pas comme jeu. J'ai même besoin pour le footstep. Ouais, je sais, mais c'est terrible. C'est pas ça qu'elle aime beaucoup avant le jeu. Ouais. Surprenamment que c'est terrible. J'ai un Clockwork Knight 2. Le CD est en piètre condition en arrière, mais il fonctionne. C'est Mélissa qui me l'a vendu à un prix plus qu'abordable. Elle me l'a fait presque à moitié du prix parce que le CD était scratché. Mais du moment qu'il fonctionne, ça me dérange moins. Non? Puis j'ai une version japonaise aussi, fait que dans le PDK. J'ai un Scorchers, un jeu de course qui était une boule. Ouais. À 5$. Un jeu de Sega Saturn, con. Ah, il manque un petit truc là. Il a coupé le. Ouais. Le... Mais à 5$, il est complet avec le petit damage ici. Ouais, c'est le truc de scanning, je crois. Ouais, mais il y avait peut-être un truc que tu recevais. Quelque chose que tu as découvert. Mais à 5$, c'est. Ouais. M'emmener là. Puis j'ai aussi un Sonic 3D Blast, qui a l'air pitoyable comme jeu. Ça a l'air dégueulasse à jouer. Mais on va quand même l'essayer. Tu vas l'essayer. On va l'essayer. Ça se joue juste à la player. Ouais, ça veut pas dire que tu peux pas avoir la même note. Un autre excellent prix quand même. Ces deux jeux-là, c'était presque un bon. Bon, ça conclut justement nos pick-up un peu de console plus vieille. Fait que c'est sûr que nous autres, on est bien contents de nos game hunting. On est surtout très contents du monde avec qui on a pu dealer à la réunion du CJVQ. On a réussi à faire beaucoup de beaux échanges, on a eu bien du fun, puis c'est sûr qu'on l'entend prochaine. Merci à tous ceux qui ont été là, merci à tous ceux qui ont fait affaire avec nous, et à la prochaine. À la prochaine.